C'est ce 3 juin qu'à l'appel du garage Moto Conti et de plusieurs clubs Vespa de la région liégeoise que des passionnés de ce scooter s'étaient donné rendez-vous place Tivoli à Liège afin de participer à une randonnée pour célébrer la République italienne mais aussi les 70 ans de l'immigration italienne en Belgique. Ce rassemblement de ces magnifiques scooters Vespa, symbole de la créativité italienne, était vraiment un moment important pour leurs amoureux de ces machines. Elles étaient rouges, vertes, bleues, jaunes, noires, toutes plus belles les unes que les autres. Ce fut un régal pour les yeux. Rien qu'en les regardant, cela nous donnait envie d'enfourcher l'une d'elles, le temps de faire un petit tour et de prendre un moment de bonheur au guidon d'une de ces Vespa. Mais avant de prendre la route, un peu d'histoire à propos de ce scooter. Vespa est une ligne de scooters qui a été brevetée le 23 avril 1946 par la société Piaggio & Co. Le nom de Vespa, qui signifie « guêpe » en italien, a été choisi par Enrico Piaggio en découvrant le prototype du modèle Vespa. Il fut immédiatement un grand succès commercial qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous avons rencontré les organisateurs de cette balade en Vespa. Ce sont tous des scooters, je pense, Vespa, qui sont aujourd'hui là. C'est ça, oui. Principalement Vespa, véhicule italien, deux roues. On a aussi la présence d'Abartissimo et de Sébastien avec la nouvelle barre qui sont ici. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir des anciennes voitures, des voitures de collection italiennes et bien sûr des Vespa. Pour la journée. Donc. Revenons sur le programme de cette magnifique journée ensoleillée, de cette belle balade où plus de 300 scooters et voitures italiennes avaient répondu à l'appel des organisateurs. L'itinéraire, il est choisi comment ? Il est choisi en fonction des intérêts, surtout les beaux paysages qu'on a ici en province de Liège. Et une belle région pour ça, bah, c'est la région de Val-Dieu, bien connue de tous les amateurs de moto, de Vespis, de scooters et de voitures anciennes aussi. Et bah, c'est comme ça, hein, c'est toujours le fait de se faire plaisir en conduisant ou un véhicule neuf, ou alors avec un peu plus ancien, mais c'est toujours le plaisir de la balade et des yeux. Bon, c'est le départ. Les moteurs des Vespas sont chauds et c'est côte à côte que les pilotes et équipages se lancent sur les routes de la province de Liège. C'est sous le regard de centaines de badauds que les scooters traversent ainsi le centre de la cité ardente afin de se rendre sur les routes de la belle région d'Aubel et de celle de Herve. Notre motard caméraman Patrick s'est fait en roulant en grand plaisir en compagnie de ses scoutistes tout en prenant des images pour immortaliser cette belle journée que je vous laisse regarder. Thank you.
vento di morì. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la 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 la. Maintenant, c'est le moment de se rendre sur la place Saint-Lambert, au sein d'un véritable village italien baptisé Liège Italia, où une vingtaine de stands présentent des produits du terroir italien, tous plus alléchants les uns que les autres. Nous avons rencontré M. Lorenzo Ponzo, qui nous explique en quelques mots les raisons, le pourquoi, le comment de ce 7e village Liège Italia. Nous, c'est un village de saveurs avec des producteurs qui viennent d'Italie, avec des producteurs locaux. Il y a de la musique, il y a des concerts, il y a du live, il y a la gastronomie. C'est le village Liège Italia, c'est un honneur de la fête de la République italienne.
Alors on ne peut pas imaginer un village italien sans les carrosseries, sans les Vespa, sans les Cinquecento. C'est pour cela qu'on, depuis le début, c'est la septième année, on a fait un partenariat avec des clubs et on se retrouve à chaque fois le dimanche en clôture avec cette concentration de Vespa et de motos, des belles carrosseries italiennes, évidemment des Ferrari. Pour cette septième édition, comme à son habitude, l'organisateur du village, Liège Italia, Radio Italia, représenté par M. Lorenzo Ponzo, président de la radio, nous avait concocté, comme chaque année, un spectacle avec des danses folkloriques de différentes régions de l'Italie, mais aussi des chanteurs, des chanteuses qui ont animé et fait briller la ville de Liège durant 4 jours. Pour notre équipe de caméramen et journalistes, il fut bien difficile de quitter cet endroit car avec ce soleil très généreux, la gastronomie, les champs et le charme de ce village italien, notre équipe avait l'impression déjà d'être en vacances dans le sud de l'Italie. Liège Italia, c'est l'Italie dans le cœur des Liégeois, des Liégeoises. Alors vivement 2019 pour la 8e édition.